Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Parce qu'aujourd'hui, il y a mon nouveau petit bébé là qui m'attend juste là à côté, je vous le montrerai juste après. Pour pas faire le youtubeur un petit peu suceur, vous avez été pas mal quand même à me demander de faire une vidéo dessus. Évidemment, je comptais à faire, si je savais pas quand, là j'ai pris une après-midi pour vous tourner la vidéo. D'ailleurs au passage, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, c'est là où je poste tout en avant-première. D'ailleurs j'avais fait plein de stories quand j'étais allé le chercher, je vous dirai où je l'ai cherché, à quel prix et tout ça, je vous le dirai plus tard dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Insta, je vous l'affiche là, quelque part sur l'écran. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de mon nouveau vélo que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors dans ma vidéo où je vendais mes deux vélos, j'avais dit ce que je voulais acheter, qui était donc un Propane Spindrift en mulet, en full fox et tout le tralala en mode ultra haut gamme. Et bien figurez-vous que, bon ça dépend des riders, mais pour moi, le vélo que j'ai là, il est encore plus haut de gamme qu'un Propane full fox, fox 38 et tout. Alors bon, c'est pas une 38 qu'il y a dessus, mais la marque de mes suspensions, elle est meilleure que Fox. C'est pour ça que je dis, ça dépend des riders, parce que plusieurs riders préfèrent Fox que la marque que j'ai comme suspension. En tout cas voilà, je vais vous laisser tout de suite sur un petit bike porn de mon vélo avec plein de petits plans sympas, avec d'ailleurs mon petit appareil photo qui se situe là. Bon, il est tout rikiki mais il fait des bons trucs. D'ailleurs j'avais filmé avec lui, donc mon premier test c'était sur la vidéo de ma dernière vidéo de la jam je crois. N'hésitez pas à aller la voir. Alors oui, j'avais un filtre bleu, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit en commentaire j'avais un filtre bleu dégueulasse. Bah là je l'ai enlevé, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Donc voilà, et sinon il a une bonne qualité et tout, c'est vraiment un bon petit truc, donc je vais faire des plans avec ça. Et puis après je me munirai de mon téléphone, j'irai sur le site, j'allais le dire mais je vous laisse encore un petit peu patienter. Sur le site du vélo pour vous donner tout en détail, parce que je connais pas tous les composants, j'ai pas toute la rêve, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, là je vais vous laisser avec un petit bike porn, après un petit bike check, et puis ce sera déjà pas mal hein. Allez, c'est parti. Bon les gars, j'ai une dégaine un peu de clochard là, je vais pas vous mentir, je suis en claquette là et en petit truc de cycliste là, bon, on a déjà connu mieux. Donc voilà les gars, le petit bike check. Dites-moi d'ailleurs si les petits plans juste avant vous auront plu, c'est avec du coup la caméra avec laquelle je filme actuellement. Pendant que je vous parlerai du vélo, donc ce qu'il a comme composant, je vous mettrai des petits plans en parallèle, au moins vous... Vous verrez de quoi il s'agit, on va dire. Bon les gars, du coup, comme vous l'avez remarqué, ou alors t'as pas remarqué mais t'es un peu con, ou alors t'es perdu, je t'en veux pas, mais du coup donc c'est un Commensal Meta AM29 en full Olins. Voilà, c'est l'édition la plus haut de gamme, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup je vais me rendre sur le site Commensal et je vais tout de suite vous partager donc le bike check, donc tout ce qui compose ce magnifique vélo. Voilà, donc bien évidemment le lien est dans la description si vous voulez voir tout en détail, la géométrie du cadre, si vous voulez rentrer dans les chiffres, moi je vais pas du tout rentrer dans les chiffres aujourd'hui. Donc du coup le cadre, bah du coup c'est un Meta AM29 de 2021, ça c'est pas nouveau. On a lu, hein, de toute façon pour les connaisseurs, Commensal ils ont jamais fait de carbone, ou alors à l'époque, mais enfin bref, ils font que de l'alu quoi. Ensuite un amortisseur, donc c'est le Ohlins TTX 22M, donc c'est l'amortisseur à ressort de chez Ohlins, hein, il n'y en a pas 50. T'as le ressort ou alors t'as le AR. Et bah, franchement... Il a de la gueule, reste à voir comment il marche. Je l'ai réglé, hein, j'ai vite fait régler les suspensions, c'est très compliqué. J'y suis pas encore arrivé totalement, les hautes et basses vitesses, j'ai jamais connu ça, donc il va falloir que je m'adapte. Mais en tout cas, j'ai réglé voilà, le sag, j'ai mis l'air préconisé sur le site et tout. Niveau réglage général, c'est bon. Après, dans la subtilité, il va falloir que je teste sur le terrain. La fourche, donc c'est une Ohlins RXF 32 M2 AR.
Je sais qu'il y a une version à ressort, il me semble, j'avais vu. Donc du coup 160 à l'arrière et 170 à l'avant. Le jeu de direction, on s'en branle un peu, mais c'est un Across ZS44. Là, au nom de dire que je ne connais pas, donc ok, ok. La potence, c'est une Ride Alpha Freeride 40 en 31,8 mm. Pour ceux qui connaissent, pour ceux de mon entourage, moi je kiffe rental. Mais voilà, vu déjà le prix de ce vélo, je vais pas acheter des trucs tout de suite. Je vais attendre Noël. Et à Noël, il y aura normalement un nouveau poste de pilotage, poignée, potence et tout. Et une petite selle, voilà, c'est un petit peu, c'est du custom quoi, c'est rien de foufou. Du coup, le cintre Rad Alpha, bon, on s'en fout, de toute façon, je le garderai pas. Les grips. Il y avait des... Quand je l'ai acheté donc au magasin, d'ailleurs je l'ai acheté à Sport Trent, je vous mets le lien en description. Donc c'est un magasin en fait, comment dire, j'ai peur de dire de la merde. Mais dans l'idée c'est ça, c'est qu'ils achètent des vélos neufs, les derniers de chez Commensal. Donc lui c'est le 2020, il les achète, il les loue pendant 2 mois à des touristes et tout qui en font en bike park, etc. Il les loue pendant 2 mois. Après 2 mois, normalement les vélos sont pas trop mangés. Au bout de 2 mois, boum, révision entière, suspension. Bon, pour cela, il n'y a pas eu besoin parce que le vélo, en fait, il a fait que quelques sorties, donc il n'y a pas eu besoin. Mais ils te le révisent de A à Z et après ils te le vendent. Donc en fait, le vélo, il a 2-3 rayures, mais c'est tout en fait. C'est vraiment. Et tu t'économises. Un bon 1000 euros, tu vois. Moi sur ce vélo, j'ai eu entre 1200 et 1500 euros de réduction par rapport au prix du neuf. C'est déjà énorme. 1500 euros, c'est le prix d'un bon enduro d'occasion. Donc, franchement, ça va. Du coup, j'en reviens donc au grip. J'avais des. Je sais même pas. En fait, c'était des poignées. Avec des formes bizarres dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais j'aime pas du tout. Genre, tu sais, des formes en 3D, genre ça ressort et tout. Genre genre vraiment des rectangles. Genre, c'est vraiment enfin, c'était désagréable. Du coup, j'ai mis mes anciennes poignées Giant qui sont ultra bien. Sauf qu'elles sont un peu mangées sur le côté, mais bon, on s'en fout. Vraiment, l'autre, je ne supportais pas. Quand je l'ai essayé au magasin, je me suis dit, bon, ok, je vais mettre mes anciennes parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, les freins, donc c'est des Shimano XT, 4 pistons. C'est un truc de malade, j'ai fait de l'enduro donc forcément en montée en descente j'ai pu les tester. C'est un truc de fou, là je les ai pas encore bien réglés mais ça freine tellement bien. Ensuite en shifter Shimano XT. Donc en fait toute la transmission, en fait faut savoir que c'est du Shimano XT, voilà, donc je vais le répéter beaucoup de fois, c'est ça que je vais vous dire. Donc du coup dérailleur Shimano XT, shifter Shimano XT, 12 vitesses. Boîtier de pédalier, un Shimano BB MT800. Bon, le boîtier de pédalier, il n'y a pas de logo dessus, il est juste basique, genre noir. C'est un peu dommage. Je sais que mon ancien, il y avait le GX Eagle et tout, genre c'était stylé sur mon jardin. Là, il est neutre, il est tout noir, je trouve ça dommage. Ensuite, la chaîne, une Shimano XT, 12 vitesses. La cassette, bah, une Shimano XT encore. Les jantes, alors les jantes c'est des DT Suisse EX511 en 29 pouces du coup. Franchement, on m'a dit que du bien de ces jantes. J'ai déjà des potes à moi qui ont eu ces jantes. Ils les ont changées pour une autre raison, pour des raisons personnelles. Mais ces jantes, ils m'ont dit que c'était de la balle. Donc du coup, avant de l'acheter, je me suis renseigné, j'ai regardé les vidéos et tout. Et tout le monde... Tout le monde m'a conseillé cette jante, même des vidéos, donc voilà. Le moyeu, c'est un DT Suisse 350, si je dis pas de bêtises, 36 de ratchet. Si je dis pas de conneries, je vais aller voir ça tout de suite. Voilà, il y a un kit DT Suisse ratchet system pour le passer en 54 de ratchet, donc du coup il est un peu plus régulier, il fait un peu plus de bruit. Donc ça aussi, c'est à venir, peut-être qu'à Noël je me prendrai ça, histoire d'avoir un petit moyeu. Un peu bruyant. Les rayons, donc c'est des DT Suisse compétition. J'en sais rien, je sais pas si c'est bon ou pas, mais on m'a conseillé la jante comme ça. Donc c'est les rayons qui vont avec la jante, donc je me dis que c'est des bons rayons. Les pneus, donc à l'arrière, c'est un Schwalbe Big Betty. Si je dis pas de conneries, non, c'est un Hutchinson Griffus. Parce que quand je suis allé l'acheter, le mec m'a dit qu'il avait mis un nouveau. Donc c'est un Hutchinson Griffus en 2.5 en 29 pouces. Et du coup, à l'avant, c'est le Schwalbe Magic Mary en 2.5, voilà. La tige de sel, c'est KS, c'est une marque de base, j'avais ça sur mon Giant, voilà. C'est la KS Lev Integra, je crois que j'avais la même sur mon Giant.
J'ai déjà eu des conneries avec. Pour l'instant, ça va. Je l'ai roulé quelques fois, ça va. J'ai pas eu de douille. Mais je me rappelle qu'avec mon Giant, j'avais eu des petits soucis des fois. La selle, donc c'est une Fabric Scoop Flat Elite. Je m'en fiche vu que je compte la changer, mais elle est super confortable. Pour l'enduro, c'est pas mal. Moi, je vais me prendre une selle freeride parce que je fais du freeride et du DH. Mais cette selle, elle est incroyable. Elle est grosse. Moi, je préférerais avoir une selle plus petite, mais c'est plus épaisse, genre les selles de freeride, tu vois. Ensuite, le poids, 16 kg sans les pédales. Ça reste lourd. Je sais que mon Giant, il faisait 15,4, je crois, donc j'ai 700 grammes de plus. Mais bon, après, mon Giant, c'était du 150-140, alors que ça, c'est du 170, il y a un ressort, voilà. Bon, c'est acceptable, tu vois. Et donc, du coup, la couleur, pour finir, c'est la Heritage Green, Dark Green. Donc la couleur, elle est incroyable. Là on voit pas bien, mais de toute façon je vous ai mis des plans tout à l'heure. Donc en fait c'est mi-noir. Donc en fait c'est... En fait je dirais pas noir même, je dirais du coup comme ils viennent de le dire, c'est dark green. C'est vraiment genre un vert ultra foncé. Et de là je vous le dis, hein, je suis genre à 40 cm, j'ai l'impression que c'est du noir. En fait quand on regarde bien c'est du vert très foncé. Et là on a du vert un peu plus clair. Donc la couleur, elle est juste incroyable. Là, le petit Mesa, donc il est donc vert clair sur vert noir. C'est super stylé. Et du coup, sur le triangle arrière, c'est du vert noir sur du vert clair. Enfin, c'est super stylé. Et puis, voilà, donc c'est tout pour le bike check. Donc voilà, il me reste quelques réglages. Les freins, le dérailleur, ça va. Les suspensions, il faut que je peaufine 2-3 trucs. Donc voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Insta parce que demain, je vais probablement faire une vidéo. Donc du coup, je mets des stories, je mets même peut-être demain soir un reel en mode le retour à Cornillon, tu vois. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, c'est super important. Bah, après, c'est pour vous que je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui, dans les commentaires YouTube, me disent « Ouais, quand est-ce que tu fais la vidéo de ton vélo et tout ?» Mais les gars, moi, mon vélo, si vous voulez vraiment le voir, je l'ai déjà mis depuis... une semaine sur les réseaux, donc allez voir en fait, clairement allez voir mon Instagram, ça mange pas de pain. En parlant de pas manger de pain, n'hésitez pas à vous abonner, vous c'est totalement gratuit, voilà, juste un petit mouvement de doigt et moi j'ai le smile, vous me régalez quand vous faites ça. Donc voilà, ça vous coûte rien, moi ça me rend joyeux, ça me prouve que vous voulez vraiment que j'aille plus loin dans YouTube. Non, à part ça, voilà, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu mets un petit pouce bleu, tu vas voir mes autres vidéos. Et du coup je te dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo qui sera sûrement je teste mon nouveau vélo dans la retrouvaille du spot. Je sais pas comment je vais formuler, c'est pas français ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Bref, tu m'as compris, je vais à la fois redécouvrir le spot et à la fois tester le nouveau vélo. Ça va être insane, donc active la petite cloche et la semaine prochaine au moins tu pourras voir la vidéo qui va être exceptionnelle. Je vais essayer de faire des montages qualitatifs pour avoir une vidéo vraiment exceptionnelle.